Ladies and gentlemen, distinguished delegates, I would like to have a small award ceremony today. We would like to recognize today two individuals who have been very active in ITU over the past years. I would like to first invite Mrs. Khadija Geryani, Secretary General of AICTO, the Arab Information and Communication Technology Organization. Here we are recognizing her for her excellent contribution to information and communication technologies in the region. She has been very active in her own country, Tunisia, but today we are recognizing her for her role for the whole Arab region and for Africa and for the ITU. I would like to present to you Mrs. Khadija Geryani, the ITU Gold Medal and the certificate for your achievement. بسم الله الرحمن الرحيم. Je voudrais tout d'abord adresser mes vifs remerciements à Dr Hamadoun Touré pour cette distinction dont j'en suis très honorée. Nous avons la chance, Dr Hamadoun, comme vous le dites, de travailler dans un secteur qui se développe à une vitesse faramineuse. Et donc, certains chiffres annoncés lors de cette conférence, on s'approche des 7 milliards d'abonnés mobiles, des 3 milliards d'abonnés Internet, sont des chiffres dont on n'osait même pas rêver il y a une décennie. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le mérite de tout ce développement revient à beaucoup de monde, mais j'estime qu'il revient d'abord aux bâtisseurs de ce monde-là, de cette société de l'Internet, qui sont ceux qui ont contribué à la numérisation des réseaux, au développement du GSM, à l'avènement de l'Internet. Bien sûr, le rôle de l'Union internationale des télécommunications n'est pas à démontrer. Sous la bienveillante direction de mon frère, Dr Hamadoun Touré, avec une équipe dynamique de directeurs des trois secteurs, et toute l'équipe d'ailleurs, qui dénote d'une évolution qualitative et un rayonnement dans le monde, et particulièrement dans le monde en développement, qui a permis de réduire cette fracture numérique et d'arriver à ces chiffres-là. Ma modeste contribution n'était possible que grâce aux équipes avec lesquelles j'ai eu à travailler, car convaincue que l'intelligence est une intelligence de groupe. Je voudrais partager cette distinction avec les membres de l'AICTO, pays et mon pays, la Tunisie, à leur tête, et membres du secteur privé, ainsi que toute mon équipe. Je ne peux terminer sans remercier et mettre l'accent sur la fructueuse collaboration qu'a l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication avec l'Union internationale des télécommunications, avec ces trois
secteur. Merci encore une fois. Je suis très, très, très honorée. Et merci pour votre attention. Restez là, ne bougez pas. Restez là. Je vous donne ça. Je vous donne tout ça. Merci. Je vous demande de rester pour qu'on prenne la photo de famille après la deuxième partie de notre cérémonie. Je voudrais, I would like now to invite my very good friend, Dr. Ernest Ndokwe. Ernest was a former CEO of the Nigerian Communication Commission. We all know him in this circle. We're very proud of achievements. Dr. Ndokwe, we are honored to present to you the ITU Gold Medal and certificate for your long years of dedication and hard work to the benefit of our ICT community. Thank you again, my brother. Thank you. I know that Dr. Ndokwe is a lovely wife. Primrose is his first here in this room. And I can tell you, you can be very proud of your husband. He is a true fellow. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I wish to start by thanking the Secretary General of ITU, our visionary leader and head of the ITU, Dr. Hamadoun Touré, for this honor. This is yet perhaps another call for even more effort in helping to catalyze the growth of ICT in Africa. And because broadband is critical to socioeconomic development of nations, we have recently founded a new project called Broadband Rights Advocacy Network Africa. This is to preserve the rights of everyone in Africa to broadband access. In Nigeria, we are also lucky that our president and the Honorable Minister of Communications Technology are definite advocates of the expansion of broadband in Nigeria. And I'd like to thank them for the opportunity given me to serve the nation in various respects, and perhaps also by extension, a few other organizations like the ITU. I wish to commit to continue to support them and the ITU in the drive to make digital citizens of everyone in the African continent. Thank you very much for listening, and God bless you all. Let's go and have a group photo here. Okay.